Je m'appelle Audrey, je suis développeuse, alors full stack, mais plutôt Java, depuis un peu plus de 10 ans maintenant. Je travaille dans l'équipe Spring chez VMware et je suis également dans un podcast qui s'appelle Les Cascodeurs, dans l'organisation d'une conférence lyonnaise qui s'appelle Mixit, dans celle de DevOps UK également, et je pilote un peu en France DevOps for Kids qui vise à initier les enfants à la programmation. J'ai un parcours un petit peu atypique, puisque j'ai commencé par faire plein de travail très différents et ensuite j'ai fait une reconversion par l'AFPA et c'est comme ça que je suis devenue développeuse. Et donc après j'ai travaillé d'abord en SS2I, ensuite en startup et aujourd'hui je suis chez un éditeur beaucoup plus grand. Moi la motivation elle est venue assez naturellement puisque je bidouille mes ordinateurs depuis que j'ai 14 ans et donc ça paraissait tout naturel d'aller vers les métiers de l'informatique en général. Quand j'ai voulu faire ma reconversion et quand j'ai découvert le métier de développeur, là j'ai eu carrément un coup de foudre et le coup de foudre a été confirmé quand j'ai découvert les communautés et la volonté d'entraide et de partage qui y règne. Des difficultés, non, j'irai pas jusque-là. Il y a eu des moments pas très sympathiques, il y a eu des gens qui étaient moins sympas que d'autres, mais dans l'ensemble, en fait, les hommes sont plutôt très très content d'avoir des femmes dans l'équipe, donc ça facilite plutôt les choses la plupart du temps, on va dire. Ce que j'aimerais viser en fait, c'est une diversité de manière générale qui soit vraiment plus prononcée et qui me paraît indispensable parce que tout simplement les applications qu'on développe aujourd'hui, elles ont un impact fort sur le reste de la société et donc ça me paraît naturel qu'elles soient développé par des gens qui soient des équipes qui soient le plus représentatives de la société dans son ensemble. Il y a deux initiatives principales, deux types d'initiatives. Le premier, c'est de continuer à sensibiliser les jeunes au métier de l'informatique, puisqu'en fait, ils ne les connaissent pas forcément bien, et donc il faut leur faire découvrir pour qu'on ait une chance de les avoir en formation initiale. Et ensuite, c'est les initiatives de reconversion, qui, à mon sens, permettent d'avoir une meilleure mixité sociale et notamment une meilleure parité, etc. D'aller voir les communautés en fait, puisque moi c'est les communautés qui m'ont énormément apporté. Donc dès qu'on pourra se revoir en vrai, ce sera encore mieux. Mais déjà, il y en a plein qui continuent leur travail en virtuel. Donc ça peut être le JUG, ça peut être des conférences, mais ça peut aussi être Duchesse, qui est un réseau de femmes dans l'IT et du coup qui peut vous permettre de trouver des consoeurs qui vont vous aider, vous donner des conseils, etc.